Alors on m'a demandé de faire un petit test son pour la deuxième, pour la projection qui a lieu dans l'amphithéâtre. Alors on m'a dit vas-y, dis n'importe quoi, bon, ça ne me dérange pas. Donc test son, voilà, petit rappel, couper les wifi, ça on le dira, on le répétera. Voilà. Et vous voyez, les équipes se mettent en place, le stress est à son maximum. Les robots ne sont absolument pas stressés, ça n'est pas dans leur programmation. Par contre, tous les opérateurs, maintenant, c'est leur projet est entre les mains et les pieds de leur robot. Alors, deux mots sur la RoboCup, puisque pour l'occasion, on a un petit moment à passer ensemble. La RoboCup, l'idée de base est très simple, si on devait la résumer en une ligne, en un mot, une phrase, c'est de pouvoir présenter une équipe de robots en 2050 qui sera capable de battre l'équipe championne du monde de joueurs humains. Voilà. 2050, ça te laisse encore un petit peu de temps. Vous avez pu, si vous vous êtes un peu promené sur les différentes ligues, voir qu'il y a, il y a beaucoup de ligues qui travaillent sur le sujet. Ça démarre des ligues virtuelles où il y a un travail essentiellement sur la stratégie, la tactique. Ensuite, vous avez des ligues de robots. Voilà, ça c'est pour la retransmission internationale. Vous avez des ligues ensuite de robots à roulette, sur lesquelles ce qui est important, c'est la cohérence, les passes, la synchronisation et la stratégie. Des ligues de robots NAO que vous avez vu. Les robots NAO, c'est les petits robots blancs qui sont des robots industriels. Donc le principe, c'est que les équipes disposent tous de la même base de robots qui est déjà fabriquée. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à voir jouer parce que ça va un peu vite et les robots ont déjà les capacités motrices. Et ensuite on a la ligue d'aujourd'hui, la Kid Size et la Human Size, qui sont des robots entièrement fabriqués par les équipes. Donc là, l'intégralité des robots ont été fabriqués et programmés par les équipes. Donc il y a une double difficulté. Difficulté d'abord d'intelligence artificielle, de reconnaître le ballon, de savoir où il est, de savoir se relever, de savoir où je suis sur le terrain quand le ballon n'est pas à ma portée, de pouvoir aussi repérer où sont mes partenaires pour leur faire des passes. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'intelligence embarquée. Alors, on vous rappelle que les robots sont entièrement autonomes. Il n'y a absolument aucune communication entre les opérateurs et les robots. La seule communication qu'ont les robots, c'est entre eux pendant le match pour se positionner et également avec la console qui va leur donner des instructions. C'est le début du match, il y a un engagement, il y a une faute, c'est une touche, etc. De façon à ce qu'ils puissent se placer. Donc, petite présentation des deux équipes, peut-être. On a honneur aux visiteurs. Première équipe sur votre droite qui va jouer aujourd'hui en rouge, c'est l'équipe des CIT Brains, donc ils viennent de loin puisqu'ils arrivent du Japon. Ils sont tenants du titre, donc ils ont remporté la RoboCup, ils ont remporté la coupe l'année dernière, ça se passait à Bangkok, face à Roban, face à leur adversaire du jour. Donc je pense qu'on peut déjà les féliciter pour leur parcours et les accueillir pour CIT Brains. Those applause for you, CIT. Je traduis parce qu'évidemment, en japonais, c'est un peu difficile. Leur adversaire du jour, vous les connaissez, vous les avez peut-être déjà vus évoluer. Ils sont quadruples champions du monde, sauf que la dernière fois, ils ont eu une opposition très sérieuse. Ils sont locaux, ils sont bordelais, et je vous demande de faire une acclamation à l'équipe Roban. Alors l'équipe Roban joue à domicile, ça se voit, mais on est un public fair play à Bordeaux et on saura applaudir les bonnes actions, quelle que soit l'équipe qui les mène. Voilà. Donc le début du match dans quelques instants, quelque chose comme 5 minutes, voilà. Donc 5 minutes de stress, 5 minutes de concentration pour les robots. Vous voyez que les robots bordelais sont déjà en place, voilà.
avec leur petit gimmick de début de match. Hein, si je me décontracte la nuque, ça me permet de me déstresser, ça me permet d'attaquer le match avec beaucoup moins de stress que les opérateurs et les techniciens. Les techniciens qui ont travaillé pendant des mois sur ce robot, qui tous les ans améliorent plusieurs éléments, avec la complexité que je vous décrivais, d'être en équilibre entre la technique, la motricité. On me disait que sur un robot classique, il y a une vingtaine de moteurs. Donc quand un robot tombe, bah, il suffit qu'il y ait un élément qui soit endommagé, ça peut le rendre indisponible pour le reste du match. Donc, c'est problématique. Et il faut, il y a un remplaçant. Vous voyez, les matchs se jouent par équipe de 4 et avec l'autorisation d'avoir un remplaçant sur le banc. Voilà. Donc là, tout le monde est chaud, tout le monde s'est espionné ce matin. Vous les avez vus, ils se sont entraînés. Chacun a observé ce que faisait l'adversaire. Il y a certainement des tactiques dissimulées. On les découvrira. En tout cas, on va avoir un très beau match. Ça marche le son là-bas ? J'adore et je commande toujours le système de ventilation de l'équipe japonaise, qui est très éco-responsable. Alors, ce ne sont pas des gouttes de sueur, de stress hein, qui ventilent, hein, ce sont les moteurs qui ont tendance à chauffer un peu. Dans 2 minutes, début du match, on l'a rêvé, on en a rêvé, ils sont là. On a aussi rêvé de la RoboCup à Bordeaux. La RoboCup à Bordeaux, c'est une réflexion qui s'est lancée en 2015 lors d'une RoboCup qui avait lieu en Chine et qui a eu quelques tweets échangés en disant « Et pourquoi pas Bordeaux ?» Et Bordeaux a été choisi en 2018 pour organiser la RoboCup 2020. Ça tombait très bien pour la ville du vin, c'était la RoboCup 2020, donc c'est comme ça qu'on l'aurait appelé. Malheureusement, le Covid est passé par là et donc ça a été un petit peu décalé. Et aujourd'hui, cette année, on a eu le plaisir de la vivre ici. Donc j'espère que vous avez été enthousiastes sur cette magnifique organisation et ces magnifiques compétitions qui vont se terminer aujourd'hui. En attendant, on approche de la mise en jeu. Deux minutes. Deux minutes avant le coup d'envoi, alors on n'a pas la musique de la Champions League, mais je compte sur vous pour faire énormément de bruit quand les joueurs vont entrer sur le terrain. On peut chanter, hein. Tu veux venir chanter ? Entrée des joueurs.
Alors, le coup d'envoi sera donné par les CIT. On a un petit compteur qui nous indique que dans 20 secondes à peu près, l'arbitre déclenchera le coup d'envoi. Derby. 10 secondes pour mettre en jeu et c'est parti. Alors, différentes stratégies se mettent en place, les joueurs occupent chacun leur poste. Là, il va y avoir une petite opposition. Ça dribble. Qui aura le dernier mot? Non, on n'applaudit pas la chute d'un adversaire, pas possible. Allez, balle en avant. Ouh. Petit contact, l'arbitre ne dit rien. Les joueurs vont se relever. Oh, petit contact dans la surface. C'est rugueux, mais c'est sportif. Olive se met en place, pour chuter. Allez, il faut que ça rentre. Le ballon doit franchir entièrement la ligne pour que le but soit validé. But pour Roban, c'est la meilleure façon de débuter la partie. Après quelques actions musclées, mais c'est normal, à ce stade de la compétition, chacun veut gagner. Dans quelques secondes de remise en jeu, il y a, pour rappel, un laps de temps de 45 secondes entre les buts et la remise en jeu. Voilà. Le temps de reprendre ses esprits, le temps de se calmer. Il nous reste 10 secondes avant que l'arbitre ne déclenche la remise en jeu. Et maintenant, le CIT a 10 secondes pour engager la balle. Alors, interception du 2. Nova. Ah ouais, petit contournement. Ouh là là. Et oui, il y a une bonne opposition de l'arrière. Rush va tenter de dégager son camp par un coup de pied sur le côté, une passe, c'est un 1-2. Emporté dans son élan, l'action était tellement belle que les robots se sont pris à... Ça chauffe dans la surface. Arrêt de Olive qui intervient sur sa ligne. Quelle émotion. Oh, égalisation de l'équipe CIT après une action compliqué dans la surface bleue. On l'avait dit, ça sera disputé. Les deux buts que vous venez de voir sont les deux premiers buts que les équipes ont encaissés dans toute la compétition.
Allez, on reprend ses esprits. On est calme, concentré. Personne n'est stressé, je suis sûr. Mise en jeu pour Roman. Une passe vers l'avant. Alors, comment il va se dégager? Il se tourne pour tirer en avant. Une attaque éclair de Olim qui s'est projeté vers l'avant et qui a marqué un magnifique but. Quel match? On vous avait promis un match à suspense. Un match disputé. Et je crois qu'il est en nous. Ils ont joué du 4 rouge. Voilà. L'arrière droit intervient. Olive. Ah non, 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 donne pas un coup de pied aux joueurs. Là, il y a une petite erreur de défense. Hein. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Pour l'équipe Roman. But ! Oh ! Égalisation de l'équipe des Saïti. Deux partout. Sur une mésentente défensive, on dirait. Allez, les joueurs se replacent. Vous avez vu que les joueurs attaquent, défendent, il y a beaucoup de collectifs. Hein. On est très solidaires dans les équipes. Certainement une passe à gauche. Le gardien sort de sa zone et vous voyez tout de suite, il est couvert par Olive. Quelle stratégie! Et Tom est passé à côté du ballon. L'arbitre considère que c'était épaule contre épaule. Allez Tom, c'est derrière toi. La lutte pour le ballon est féroce. Personne ne veut lâcher le morceau. Allez, on passe sur le côté. Ah ouais. C'est une main involontaire. Thank you.
un dégagement de l'équipe rouge. Allez, Olive peut relancer. Et voilà la mi-temps. Applaudir les équipes de partout, le suspense reste entier. 5 minutes de pause, 5 minutes de mi-temps pour reprendre un peu ses esprits. Absolument qu'il y ait un vainqueur. Donc si les équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire 2 fois 10 minutes, il y aura une prolongation de 2 fois 5 minutes. Donc, ça veut dire que ça va nous faire encore battre le cœur plus longtemps, si c'est le cas. Et le pire du pire, c'est que si les équipes sont à égalité à la fin de la prolongation, il y aura une séance de tir au but. Donc ceux qui sont sensible un petit peu au niveau cardiaque, je vous conseille de rester sur ces épreuves-là qui sont très très stressantes. Deuxième mi-temps de ce match.
à suspense. Reprise du match. 2 minutes, on a demandé 2 minutes de time-out. Il y a une règle qui permet aux équipes de prolonger, soit de retarder le début du match, soit de prolonger le temps de 2 minutes, ça s'appelle un time-out. Et là, la règle a été autorisée, la demande a été autorisée par les arbitres, de façon à ce que les équipes soient parfaitement prêtes. Je ne comprends pas le problème qu'il y a au groupe, mais ça n'a pas l'air OK. There is only one timeout can be requested. Only one timeout can be requested. Each one. Yeah. One. Only one. Alors cette fois reprise du match dans 15 secondes pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Pour rappel, les équipes sont à égalité 2 partout. C'est une angoisse totale, un stress énorme et un suspense incroyable. Vous pouvez les applaudir. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Est-ce que les équipes ont changé de stratégie? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place? Nous allons le voir. Non, il faut finir le boulot. La balle n'est pas rentrée. Ah, il a cru qu'elle était rentrée, alors il a laissé le reste. Oh, bah, but contre son camp. Il a essayé de faire une talonnade pour sortir la balle, on comprend, c'est pas évident. Robin reprend l'avantage à l'entrée de la deuxième mi-temps. Mais on l'a vu, le fait de disposer de la mise en jeu est un avantage certain, parce qu'on peut entrer dans le terrain de l'adversaire. Ce qui donne un petit avantage. Il est désespéré. Ses collègues ont autre chose à faire qu'à le consoler. Ils le consoleront à la fin du match, lui disant « C'est pas grave, tu sais, ça arrive. » Sur le côté, voilà, c'est judicieux, c'est une bonne stratégie. Spécialité maison, la passe sur le côté. Sur le côté encore. Allez. Touche.
Là, on demande le ralenti pour savoir à qui il la touche. Ah, arrêt du temps. Voilà, c'est une particularité. On peut arrêter le temps. J'aimerais bien faire ça, moi, de temps en temps aussi. Et on va jouer. A throw-in, red. On va finir la décision. Ah, un tango. Non. Ouais, ça se frite un peu, mais ils sont très copains en fait. À la fin du match, ils se servent en avant. Il est désespéré, il se dit, maman, viens me chercher. Et on joue pas. It's a throw-in. Throw-in, Lou, right? Anyone, okay. Throw-in anyone. Ouh là là, récupération du ballon. Un centre, mais il n'y a personne, personne n'était en place. Mais oui, il y a un joueur qui est en train d'assurer le poteau. Un autre qui se dit... Tiens sur le poteau. Voilà, ça sert de faire pression. À un moment où l'équipe n'était pas au mieux, on va dire, au niveau nombre de joueurs. Non. Un joueur qui déprime le long du poteau alors qu'en fait il a rien fait. L'autre lui dit t'inquiète pas, je prends ta place. Allez. Non, non, non. Il a même pas vu le but, alors il dit. Alors, il y a une règle qui consiste à demander à l'arbitre de retirer un robot qui semble pas être tout à fait dans le jeu. L'arbitre peut considérer que c'est une stratégie, qu'il le fait exprès, et refuser le pick-up. Non, on respecte les arbitres avant nous. Depuis aujourd'hui. Alors, il va falloir défendre. Hein. Alors ça, je ne sais pas dans quelle page de la règle ça va figurer. Je laisse les arbitres décider. Voilà. Allez, Tom. Ouais. Là, on a un arrêt sur l'image. Pourquoi ? Distance ? Ah, free kick. Ok, pardon. Alors là, c'est un coup franc. Il y a 10 secondes. Ouais, il faut faire un mur. Ah, bon, petite faute, certainement. Alors, ça laisse autant, un petit peu de temps pour se dégager. Alors, vous avez remarqué que contrairement aux footballeurs professionnels, les robots ne cherchent pas à gagner du temps pour préserver le score. Hein. On attaque, parce qu'on est là pour ça. Ouais, je suis bien en opposition. Et un petit peu sur le côté. Allez, on sort de travail. L'équipe se reconstitue. La possibilité d'une action. Possibilité de faire une passe. À Tom. Tom a le ballon. Se dit, peut-être que c'est quand même rush.
qui va aller faire un centre. Aria, c'est Aria, attention, Aria qui rentre. Aria a la capacité de marquer de là. Il met ce ballon. Attends, Tom qui va faire l'effort. Tom dans le dernier mètre. Non, il laisse Aria. Non, il y va. Il y va, il y va. Il va le faire. Très beau jeu collectif de l'équipe de Roban. Ce sont des éléments sur lesquels l'équipe a progressé, le fait de repérer son partenaire, faire une passe, être collectif, ne pas vouloir aller tout seul au but, et laisser son coéquipier ou sa coéquipière, puisque Aria, qui a fait le début de l'action, est une fille. Peut-être qu'à un moment, on va sortir au livre de son coin, mais il est assez puni, là, non? Ça va être parti. Allez. On protège le ballon. Allez, c'est la course. C'est la course entre Tom et les joueurs du CIT. Petite passe sur le côté. Vous avez vu de la passe sur le côté spécialisée maison, elle sert. Hein. Ça évite au robot de perdre du temps à se repositionner. Oh, il est passé à côté du ballon. Et il était emporté dans sa course qui était trop rapide. Le ballon est dans la surface japonaise. L'action est chaude. Il va falloir contourner. Il y a un mur à contourner là. Et... Bon. On a rush qui arrive de loin. Hein. Dégagement sur le côté. Bah, c'est une technique. Hein, ouais. Jamais renvoyer dans le centre ou sur le centre, hein, vous savez. Quand on est gardien, il faut jouer à la sécurité. Allez, un petit coup d'épaule. Bah, là, il va y avoir une course. Hein. Qui sera le plus rapide? Allez. On les a vus s'entraîner, ils ont la capacité d'y aller, de shooter à cette distance. Allez, ça dégage. C'est propre.
musicalement, si vous voulez vibrer à nouveau, il y aura dans quelques temps, c'est à 13h30, une finale de MSL avec une équipe française également engagée. Voilà, pour une nouvelle vibration. Et là, on va savourer cette victoire. J'avais prévu peut-être de donner la parole à Olivier. Olivier. Sorry. Oh merde. J'ai fait quelque chose là. Olivier Lille, est-ce que tu es dans le point, Olivier? 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 Il veut pas, mais c'est obligé. Et alors le problème c'est qu'il s'est déjà fait tatouer 4 étoiles sur la main. Et là maintenant il a pris aussi qu'il a pris rendez-vous demain à 13h30 avec un tatoueur bordelais pour se faire tatouer la 5e. Merci à tous d'être venus en tout cas. Je vois plein de visages amis, etc. Ah ouais, ah bah d'accord. Mais non, mais j'avais pas. Voilà, bah je crois qu'on est content. Merci. Ouais, on a amélioré un certain nombre de trucs, mais jusqu'à 10 minutes avant le match, on a fait des modifications. On était très stressés. Voilà. Bon, merci. Ils sont émotions, on peut applaudir en deux fois l'équipe. C'est vrai qu'il y avait du stress parce que. Il y avait un challenger de qualité, je crois qu'on peut rendre hommage à l'équipe japonaise. Thanks for our CIT, thanks for everything, you have a very good team, thank you. Merci pour l'ambiance.